Ok, Yuval, 1000%.com, Royal Way, c'est mon sponsor. Donc là, je suis avec Charlie à 1000%, temps d'attendu, celui dont tout le monde parle. Donc là, Charlie Soso. Soso, il attend les autres Melting Force qui vont arriver. Comme ça prend un battle de groupe, ambiance un peu comme Yaman et Mathias, bonne ambiance. Et là, je voudrais demander à Charlie, Captain Moss, qui a eu quand même des vidéos interposées. Et je voudrais savoir pourquoi ce défi et qu'est-ce qu'il en attend de ce 1000%. En fait, moi, je peux le défier parce qu'à la base, c'est Melting Force. Et vous pouvez espérer que c'est déjà un groupe qui commence à monter en France. Et avant qu'ils montent, c'est ceux qui sont ça va, ils ont un bon niveau, c'est pour ça d'ailleurs que je défie Soso. Je pense que Soso c'est le leader, je pense que ça commence à mériter une tête en France, et voilà, et aussi parce qu'ils parlent beaucoup. C'est des gens qui respectent pas les big boys, quelqu'un qui respecte pas un big boy, je pense que pour nous, un big boy doit respecter les autres big boys. Et des gens comme ça, s'ils ne respectent pas, il faut rentrer dedans. Voilà. Donc c'est toute une histoire de respect alors. De respect, puis c'est l'histoire de voilà des gens qui parlent et puis plusieurs histoires. Et puis, voilà. Et si tu avais un seul mot à dire à Soso tout de suite, ce serait quoi? Bah, j'ai ramené la pépelle, la baleine m'a coûté Soso. Ok, on va kiffer tout à l'heure, ça va être un grand défi. 1000%.com, donc là je suis avec tous les sauces de Soso. Soso, on est là, t'inquiète. Ok, et par rapport à Charlie, il a dit irrespectueux du B-Boy. Charlie est irrespectueux des b-boys, je voudrais savoir ce que tu en penses par rapport à ça. Je veux pas être irrespectueux, je veux pas de vidéo. Cette vidéo sur moi, c'est moi qui est respectueux. Qu'est-ce que t'as un mot à dire à Charlie? Ouais, Charlie. Okay. Pas mal. Elle est pas mal. Ismaël, c'est le pire.